Oui, bienvenue sur T-Eternel, en mode 8W6. Puisqu'on est dans les maris. Bah parce qu'elle était née en 86 et que moi je suis né le 28-6. Ça explique la science de la Terre. Pourquoi il faut redonner des cartes sur Terre. Donc tout ira bien dans l'espace-temps. Bon Dieu, il a réglé la clim. Il fait beau, il y a du vent. Alors. Donc la première femme de ma vie, c'est ma maman, c'est Marie-Thérèse. En 92, la première vraie femme de ma vie, que ça fait 26 ans que ça dure, enfin on n'est plus ensemble, mais on est comme frère et sœur, c'est Florence Marie. Bon, mon troisième amour, c'était Christelle Marie. Et le dernier, celui que je devais me marier, devant le bon Dieu et tout, c'est pour ça qu'il m'est revenu de l'espoir ce matin, que je vais y arriver. Ça faisait Marie Myriam. Ça, c'est rien que pour expliquer les maris dans ma thématique quantique. Si tu veux, faut capter. Les 90% du cerveau qui ne vous servent à rien. C'est-à-dire la subconscience. La connexion des disques mous. Ça marche par acouphène en fait. Toujours la version à gauche, la version tout droit et la version à droite. Le problème c'est que l'ordre public ou le service public, l'administration, moi je fais tout faire à l'ULAF maintenant. C'est vite fait, j'ai 800 euros par mois de cotorep. Bah, paye le loyer, paye le retard, je sais pas. J'ai un papier, une emmerde, j'amène. Je prends plus le sou. De toute façon, je suis qu'à 10% sur Terre, même pas. C'est l'inverse de vous. On est mieux en nosphère. Nosphère. Tape ce truc. Tape l'assureur du 11 septembre. L'immeuble qu'il n'y a même pas d'avion qui a tapé dedans. Et c'est la comptabilité qui a brûlé. Moi je m'entends avec tous les peuples. J'ai des copains noirs, j'ai des copains blancs, j'ai des copains juifs, j'ai des copains chrétiens, j'ai des copains protestants, j'ai des copains musulmans. C'est des bouddhistes, j'en connais pas trop. Je suis même allé à la mosquée une fois, j'ai parlé avec un imam, son fils. Il était ouvert d'esprit. Après, il y a des cons partout, ceux qu'on programme ou qu'on balance sous cacheton. On en fait des tueurs. Hein. Non, tu ne tueras pas. C'est pour ça, il y a une partie de l'islam où ça va pas du tout. Mais pas tous. Hein. Il y a des bons, il y a des cons partout. Le tout, c'est de pas vendre son âme. En gros, c'est son cul. Hein. L'âme, elle est dans le trou du cul aussi. On est tous des trous du cul sur patte. Tu rends ton rapport de combustion, retourne à la terre, retourne en poussière, hein. Et après ça fait du pétrole. Et le pétrole c'est le sang de la terre, et vous vendez le sang de la terre, alors est-ce des règles? L'achèvement climatique, pourquoi qu'on pourrait pas dire, exemple, comment ça s'appelle, des tonneaux d'uranium dans la mer, hein. Ça fait une électrolyse, alors ça réchauffe. Pourquoi que ça ne ferait pas une électrolyse? L'eau salée, c'est un bon conducteur. L'eau douce, c'est un isolant. Voilà. Maintenant, je vais passer en physique quantique. Non, déjà, je vais boire ma bière. Parce que je suis né le 28-6, et c'est les 33 ans de ma Vierge Marie, 86. Au moins, c'est sûr. 2-86. Au moins, c'est sûr qu'elle est toujours vierge d'esprit. Et j'ai ressorti les deux photos que j'avais mis dans la boîte à Pandore. Mon explication, pour l'instant, c'est pour faire comprendre l'espace-temps. Juste pour rassembler les monothéistes. C'est pour ça qu'on est entre le 35 et le 37 boulevard de Riquier. Le 35, c'est la trilogie de quintessence. Le 37, c'est là où il y a Tata l'oracle qui est rentré la boule de feu comme le prophète Mohamed.
Nul n'est prophète en son pays, mon cul vous démontrera bien le contraire. Bon. Bon. Donc, vu que c'est le dimanche, eh bien, c'est le jour du Seigneur et c'est l'anniversaire de la Vierge Marie. Enfin, je pense que quand je l'ai épousée, elle était encore vierge. C'est de coutume là-bas. C'est pas trop, bon, peut-être pas du cul, mais. Enfin, maintenant, elle doit être mariée 15 fois avec un Français, ils ont dû tuer 10 moutons. C'est une famille d'escrocs, ils ont des attributs, c'est des escrocs, là où il y avait le léopard. Là. En fait, c'était lui l'escroc. Brahim Bouktaten, c'est Oumad Myriam. Non, c'est Marie-Thérèse Catrin. Maintenant, c'est Tila Catrin ou Catrin Tila. Florence Marie, c'est Florence Skanvic. Christelle Marie Fuselier. Christelle Marie Fuselier. La polygarde chance non plus. Comme Florence d'ailleurs. Et la dernière, bah, ça fait depuis 2011 que j'ai plus de nouvelles. Depuis que j'en vois plus de sous. Les sous du Gaori. Je suis devenu fou, j'ai la chute de boulot. C'était du je l'aime à mourir. J'ai trouvé ma Vierge Marie à quelques heures d'Airbus d'ici. Toum, 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 toum. Enfin, c'est puissant quand même. La cascade de la Vierge. Petit train d'Ifrane. Petit train à Nice, c'est les mêmes. Le lion d'Ifrane, le lion à Nice. Ben non, ça devait s'emboîter à merveille dans l'espace-temps. Mais seulement vous êtes trop désactivé du bulbe. Il vous manque des dimensions, pas possible autrement. Vous servez de ce que vos yeux y voient et de ce que vous entendez. Et comme on fait voir que de la merde, et quand on dit que de la merde, ben vous êtes des merdes. C'est depuis 2011 que je me reprogramme le disque mou. La crise de Nice, ça c'est le grand-père Doué. 96 ans. Et à mon moins 10 ans, il me dit. Alors, juste avant de décéder, d'ailleurs. 96 ans. Jamais fumé une clope, jamais bu un con. Une fois, ça veut rien dire. Ça va bien. Ouais, ça va, chef. Ah bon. Eh ben, on avait mangé à côté, là, au Virginie. Et juste avant de partir, il me dit. Ah, bah, t'es un Christ. Eh ben, porte donc ta croix. Putain, depuis qu'il m'a dit ça. Même commandant Balza, je la porte les péchés de. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde à rédempter, c'est ça qui est rigolo. Là, ça se passe entre le 35 et le 37 boulevard de Riquier. L'église, elle est dans ta tête. La voix de Jimmy Crockett. Pinocchio, quand même, il a le nez qui s'allonge. Mais s'il n'y a pas Jiminy Cricket, la conscience, la subconscience de la conscience. Ben c'est comme le pouvoir, ils se remplissent les poches. Et vu que leur dieu est argent, ils remplissent cette planète de mal. Et puis ils tuent plus eux-mêmes, puisque le commandement tu ne tueras point. Ils vendent les armes pour faire tuer par les autres. Bien sûr, avec un peu de trucs sous la table, hein. Un peu beaucoup. Mais... Bon, ça pour moi, ça pour toi, ça pour la magouille. Ils ont cloué leur chef. Ah, mais de nos jours, on ne cloue plus. Après, on ne brûle plus pour hérésie. Après, on ne guillotine plus. Après, on a même interdit la chaise électrique, pas partout. Mais... Non, maintenant c'est la camisole chimique.
tous ceux que je vois qui font que boire, qui peuvent fumer des joints, ils sont nickel. Par contre, tous ceux que je vois qui prennent des cachetons en plus, ils sont tous niqués de la tête. La psychiatre, ça devient criminel maintenant. Faut bien comprendre. Augmenter tout le temps les doses. Ça fait des paralysés, parce que les gens ils sont foutus, ils sont tout niqués, ils marchent Robocop. Vous voulez pas comprendre. La pharmacie, le serpent qui se mord la queue. On disait Renaud, la médecine est une putain et le macro c'est le pharmacien. Mais c'est vrai. Tout simplement comprendre sa position dans l'espace-temps. Bon voilà, c'était pour préparer mon 13h. Je ne sais pas si je le balancerai à 13h, mais on verra bien. Hatche salut, inshallah, Irai, Mazelto. Voilà. Ouais.